Allez, bon bah je vais essayer de faire un petit peu de sport. Ah, qu'est-ce qu'il court vite! Je suis étonnée d'ailleurs qu'elle ait le droit d'utiliser le tapis alors qu'elle est enceinte, mais non. Peut-être le premier trimestre, je sais pas. On va la laisser faire. C'est tout. Tu vas dépasser un peu tes limites quand même. Et puis écoute la musique, ça va te faire du bien. Écoutez. 12. Allez. Allez Penny, il reste 2 jours. Es-tu prête? Il reste que 2 jours et après t'as fini cette galère. Ça sort bien quand même. Bon, elle est éreintée, on va arrêter, on va pas la tuer. Va prendre une petite douche. Et on va rentrer à la maison. Ouais, 2 jours et c'est terminé. Elle va pouvoir récupérer sa vie. Enfin, quoi qu'elle est enceinte quand même. Donc, on peut être la teuf tous les jours, mais... T'as pris une douche, là, sérieusement? Ah, t'étais peut-être chez les hommes. Tant pour moi. Non, bah là, il y a quelqu'un. Prenez une douche. T'as pas pris ta douche, là? Faut pas de ma gueule. Ouais, vas-y, passe par les casiers. Y a pas de... Oh là là, avec le vent. Elle est qu'au premier trimestre, là, les gars. J'espère qu'il y en a qu'un. Ça aurait été la notre partie, j'aurais vérifié, mais là on va se laisser là. On va se laisser la surprise jusqu'à la fin. Voilà, super. Bon bah. Oh la vache. Oh putain. Putain. J'espère qu'il y en a qu'un, les gars. Bon bah, allez, rentre à la maison. Hein. Marc, je peux lui acheter peut-être un petit poste. Elles peuvent. Non, c'est avec une télé qu'ils peuvent faire un petit peu de sport à la maison. Parce que là, si je lui construis une piscine, je vais être ruinée, quoi. Donc, c'est pas possible. Hop, on retourne à la maison. Autorisé. Alors IRL, moi aussi je trouve ça trop sale et il est hors de question que je me douche. Déjà me doucher dans une douche qui n'est pas la mienne est problématique, mais alors me doucher dans une douche publique, il en est hors de question. Mais comme dans les Sims, ils n'ont pas trop de problèmes d'hygiène, bon, voilà. Surprise des triplés, non mais non. Après je m'en fous, c'est la fin du challenge, hein, donc j'y jouerai plus. Mais, mais quand même, je suis même pas sûre qu'elle accouche avant mercredi en vrai. Moi, bon, je suis gentille, je vais lui acheter une télé quand même, pour qu'elle s'entraîne un peu. J'aimerais bien qu'elle retrouve, qu'à la fin de la crise, de retrouver la Penny du début, quoi. Parce que là, physiquement, on n'y est pas quand même, à la Penny du début. Après, Penny, c'est la seule qui, pendant une crise financière, mange tellement à sa faim qu'elle prend du poids. Voilà. Hop. Hop! Hein, oui, nous aussi, on se retrouve avec des microscopies. Heureusement que ce n'est pas possible. Alors, on va la faire danser. Viens bouger ton corps, Penny. Je crois qu'elle est éreintée. Je suis pas sûre que. Non, arrête. Tu vas mourir, j'ai personne pour te sauver. Arrête! Tu feras le sport demain. Parce que là, je sens que. Ou quand tu seras plus éreintée. Voilà, dans 23 minutes, tu referas le sport. Qu'est-ce qu'elle a? Vous avez surpris quelque chose que vous n'auriez jamais dû voir. Allez, va faire une petite sieste. Et entre le vent, tu iras danser... La 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 la, plumba zumba. Non, on va pas aller voir les feux d'artifice ensemble. Je t'assure que non.
Allez, c'est bon, t'es en forme. Allez, hop. Parce que bon. Travail demain. Allez, Penny, courage. Ah merde, elle est mal à l'aise, elle est courbaturée. Oh, tu chipotes. Prendre des restes. Non, t'as pas très faim, t'as pas très faim. Essaye de te faire perdre. De te faire retrouver ton corps d'antan, donc tu vas pas manger alors que t'as pas faim. J'ai dit non. Voilà, deux bouchées. Ça remplit ta barre. Non, bah dormir, écoute. Tu peux rien faire, de toute façon. Non, mais je parle pas des mêmes champignons. Champignons, ça me donne faim. Ah, bah écoute, c'est dégueulasse. Ah, je confirme, c'est dégueulasse. Tu peux pas faire ça. Non, j'aime pas les champignons non plus. Bah, t'es de nouveau là, Alexandre. Oh, bah, ce coup-ci, à la fin, dis donc. D'un coup, comme ça, ça lui est venu. Allez, vas-y. Entraînement. Hop, plomba, zumba. Non, mais tu peux manger quand même. Tu peux manger. Allez, bouge dans tous les sens. C'est sympa. Allez. Hop, manger. Elle a froid. Avec tout ce que tu bouges, t'as froid. Eh ben, mazette. Je sais pas ce qu'il te faut, hein. Hop, on va reprendre l'entraînement. On est mardi. Demain, c'est la fin du challenge. Je crois qu'on verra pas la naissance, en fait. Elle finira le challenge. Ouh, d'ailleurs, j'ai pas... Ah, si. Si, si, hier, j'ai tiré puisqu'elle est tombée enceinte. Donc là, à 10h du matin, faut que je tire de nouveau. Chance. Je devais aller quelque part et au final, on n'y va pas. Je cherche pas à comprendre. Ah ouais, ça, c'est chiant, ça. Quand t'as des choses de prévues, je déteste. Quand il y a des choses de prévues et que les choses changent, je déteste. Parce que j'aime bien prévoir les choses à l'avance et j'aime pas les changements de programme. Bon, elle est éreintée, donc on va arrêter. Ah, puis ça s'est périmé. Va à la douche, tiens. Bon, elle s'est un petit peu... Ça va un peu mieux, non? Non, pas du tout. Pas beaucoup mieux. On n'a pas retrouvé la Penny Pizzas d'avant. Je suis exactement pareil. Bon, ça me rassure. Il s'est passé quoi entre-temps? Bah, en fait, c'est la fin. Demain, c'est fini, tu vois. Demain, c'est terminé. Le challenge est fini. La glace de régime. Ah oui, il faut que j'achète un... Mais je sais plus laquelle c'est. Moi, j'ai plein de sous, c'est la fin du challenge. Elle est fait péter l'appareil à glace. Comment elle s'appelle déjà? C'est un truc avec sorbet dedans. Sorbetière, voilà. Voilà. Préparer de la glace. Vanille, pistache, chocolat, pure perfection, appropriée pour les végétariens. Au poids du monde. Ah, mais alors je sais plus lequel c'est. Ah bah, goût de régime, ok. Ok, écoute, on va essayer. C'est simple. Bah, ça dépend sur quoi tu tombes. Hein. Il y a eu des moments de galère quand même. Hein. Là, c'est devenu à peu près... Ça va mieux parce que... Franchement, c'est grâce au coin de pêche à Magnolia Promenade. À partir du moment où j'ai pu avoir la maison, ça allait mieux. Je travaille à quelle heure, moi? Dans 3 heures. Allez, mange la glace. Tu viens... Ah bah... Ah bah non, il y a encore Nightbot. Mais il n'y a que toi qui l'aime pas, il n'y a que toi qui le déclenche. Hein. Faut que t'arrêtes.
Tu viens de découvrir quoi, qu'il y avait une glace de régime, que... Non mais sans déconner, elle en a pas qu'un là. C'est pas possible. C'est pas possible. Donne, il a tout donné, il y a au moins des quadruplés là. Alors, vas-y, mange. Placé dans le monde. Oh bah vas-y, mets par terre. Prendre une coupe. Alors, est-ce que ça marche instantanément? Est-ce que... Je ne sais pas comment ça marche. Ce serait cool. Ce serait cool que ça existe en vrai. Oh mon dieu. C'est clair. J'en mangerai toute la journée. Je ne me sens pas la concernée par le sujet. Je me sens concernée. Et j'aimerais bien... Et j'aimerais bien une glace qui fait maigrir. N'importe quoi qui fait maigrir, en fait. Et là, c'est censé... Parce que là, pour l'instant, je vous cache pas que... Que la différence est pas flagrante, quand même. Je... Va en reprendre. Prendre un cornet. Ah, si, ça y est. Ah, bah voilà. Ça ressemble déjà un peu plus à notre Penny de départ, ça, non? Écoutez, ça y est, on l'a retrouvée. Magnifique. Elle est sale. Ouais, elle est un peu sale, ouais. Ah, c'est la crise, hein. Bon, bah super. Elle est revenue à la normale. Allez, vas-y, va appeler copain. Juste appeler. On peut l'inviter. Ensuite, un petit tour aux toilettes. Et puis, tu vas aller travailler. Et puis, ben... Nous, on va se tirer une carte chance. C'est chance, hein, c'est ça. Je sais plus. De toute façon, on a le droit... En fait, on a le droit de tirer deux jours de suite la même carte. Enfin, on a le droit de tirer deux jours de suite chance ou deux jours de suite événement. On peut même aller jusqu'à trois fois de suite, mais pas au-delà. Dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 25. 25, je sais pas du tout ce que c'est. Épidémie. Suite à une épidémie de grippe du lama, le gouvernement oblige tous les habitants à se faire vacciner, mais faute d'argent dans les caisses, il ne peut rembourser le vaccin. Pour chaque sim de votre foyer, déduisez 200 simflouz. Donc, money, 9783. Oula, je me suis trompée. Je me suis mis 2800 simflouz. Attendez, je vais la refaire. Donc, 9700... Dis Siri. 9783 moins 2800. 9783. Je me suis trompée. Voilà, pardon. Merde. Je me rajoute des sous comme ça, quoi. Voilà. Et donc, on y retourne. On recommence. On y... 6000... 783. Voilà. Non, c'est mes vêtements qui sont sales, c'est fait exprès. Mes vêtements et même ma peau, c'est moi qui les salis pour que ça fasse vraiment pauvre, quoi. Enfin, genre vraiment, parce qu'au début, elle dormait sur un banc, en fait. C'était la dèche, quoi. Donc, c'est pas du tout à cause de l'hygiène ou à cause de ses vêtements sales, c'est un CC en fait. Le t-shirt, le pantalon, les chaussures, c'est des CC spécial sans abri, quoi. Donc, ça va finir comme ça, hein. La crise, c'est la fin demain, donc... Fête de l'hiver, t'as cru qu'on allait... Ah non, on va pas faire de fête de l'hiver, parce que sinon, on s'en fout, on travaillera pas demain. Yeah.
j'ai vu. Non, non, c'est pas les vêtements. Les vêtements, ils sont tout le temps comme ça, en fait. Bon, allez. Dépêche-toi. C'est bien. Tu lui racontes sa vie depuis les toilettes. Allez, au travail. Donc demain, nous tirerons, écoutez, une dernière carte, bah chance, parce que l'événement, on pourra pas la finir. Donc là, elle est au deuxième trimestre. Non, troisième déjà ? Troisième trimestre. Bon, bah on l'a, elle aura peut-être le bébé ou les bébés ou... Ouais, c'est le pack spécial, c'est la dèche, ouais. C'était, d'ailleurs, tu dis demain, c'est... Non, c'est un jour sim, c'est-à-dire que c'est là, dans quelques heures, c'est terminé pour elle. Je pense qu'on va... On va attendre, voilà, normalement, elle devra accoucher demain. Tu veux pas dormir ? Est-ce que t'as froid ? Mais t'es toute nue aussi, couillonne. Habille-toi, je sais pas. Pourquoi elle veut pas dormir ? Dormir ? Ah bah quand même. Don Morel. Oh toi. Toi, il y a le MC Command Center qui t'a marié à quelqu'un, toi. Je pense que Don s'est fait marier avec... je pense que Don a viré de bord et vient de se marier avec un autre PNJ. Oui. Oui, je suis désolée, c'est un... C'est un modérateur automatique qui, des fois, fait du zèle pour pas grand-chose, mais qui m'est bien utile quand je tombe sur des vrais relous, et j'en ai déjà croisé pas mal. Donc, tant pis, j'accepte ces petits soucis de modération, alors qu'il n'y a pas lieu normalement, mais ça évite les relous le reste du temps, donc... On va pas finir le challenge dans un bordel pareil. Allez, go. Oui, tu vas aller faire pipi. Tu vas aller faire pipi. Allez, là. Après, tu ranges. Et jeter. Et prendre les restes. Il n'y en a plus. Cuisiner. Et salade de fruits. Non, sois pas désolée, vaut mieux ça que d'être floudée par des idiots, oui. Oui, surtout que quand je parle de relou, je suis tombée vraiment sur des cas un peu sensationnels. Que j'ai dû... Ah oui, pardon. Que j'ai dû dégager à coup de pied au cul. Ah merde ! Pardon. Faut que je m'enlève 140. J'ai pas le droit de vendre. Je me suis emballée. Attendez. Hop, money. 7126. C'est ça. Non, 140. Money. 7026. C'est bon, j'ai enlevé l'argent de la sorbetière que je venais de vendre parce que j'ai pas le droit de la vendre, on n'est pas dimanche. Nettoyer, jeter, reprendre. Oui, bienvenue sur les réseaux. Oui, je connaissais pas trop ça parce que jusqu'à... Pourquoi tu veux pas aller jeter dans la poubelle les trucs qui traînent ? Tu m'expliques ? Voilà. Non, mais là, je vais le faire. Hein, je t'en prie. Voilà, c'est bon, tu peux reprendre le cours normal de ta vie ou... Elle est buggée, en fait. Bon. Je peux pas débloquer. Déblocage. Ah, bah voilà. Ok. L'évier est une poubelle, ouais, faut croire. Non, c'est le lavage automatique, c'est l'auto-wash. Mets dans l'évier et hop, ça s'auto-wash.
nettoyer. Parce que c'est un petit peu sale quand même. Si t'es un petit peu crado chez toi, madame. Et donc voilà, c'est la fin du challenge. Donc on va juste... Donc la crise financière est quasiment finie. Je vais juste attendre qu'elle accouche pour déclarer officiellement ce challenge terminé. Ouais, on a fini un challenge sans tuer de Sims. Wouhou. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, merci Jade, Jade la Sakura, pour le follow. C'est super gentil de ta part. Merci beaucoup. C'est l'un des plus gros problèmes avec ces plateformes. C'est supposé rapprocher les gens, mais c'est souvent le contraire qui arrive. Alors, franchement, j'ai pas à me plaindre la plupart du temps. Je suis tombée que sur des gens vraiment adorables et gentils. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais de temps en temps, voilà, j'ai un boulet qui passe. Et puis, non, j'ai pas tiré la carte. C'est pas avant 10h la carte. Manquerait plus que je finisse sur une banqueroute. Ouh. C'est à 10h que je tire la carte. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va attendre l'accouchement. Je sais pas à quelle heure c'est, mais alors pas du tout. Fête de l'hiver. De toute façon, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Elle devrait pas tarder. Je crois qu'elle était partie au boulot hier quand elle a eu. Donc c'est après 10h. On va voir. Reprends. Tu veux pas t'habiller sinon, parce que vu que t'as froid. Je sais pas, moi, je... Je dis ça pour toi, hein. Moi, j'ai pas froid, hein. Moi, j'ai plutôt chaud, en fait. Allez, hop, dans 2h, on tire la carte. On va démissionner, d'ailleurs, parce que... Hop. Tu veux pas t'habiller là, tu... Tenue, changer de tenue. Voilà. Tu t'ennuies, bah va écouter un peu ta musique. Classique. Voilà, ça va te détendre. Bon, vu qu'on a droit à 3 fois de site, je vais tirer chance parce que, vu que c'est la fin du challenge, si je tire un événement, je resterai pas obligée de le finir, donc c'est un petit peu bête. Autant jouer avec le feu et se prendre une petite carte chance avant de finir. Dis Siri, donne-moi un bon chiffre entre 1 et... Non, il n'y a pas marché. Dis Siri, donne-moi un bon chiffre entre 1 et 26. S'il te plaît. Trois. La banqueroute, t'es vraiment un salopard, toi. Eh ben non, trouver c'est garder. En marchant dans la rue, vous tombez sur un billet au sol. Quelle chance! Ajoutez 50 simflouz à votre foyer. Voilà. Alors. Money, on va essayer de ne pas se planter. 7076, normalement. Ouais, nickel! Et voilà, c'était la dernière carte chance, donc on va attendre qu'elle accouche, quand tu veux, Penny. C'était, elle était au boulot de toutes les façons, donc c'est avant 18h. On apprend des restes. On va acheter un berceau, comme ça, on perdra pas 2 heures à attendre que le berceau pop. Je sais jamais comment il s'appelle en vrai. Couffin, ouais, voilà. Voilà. Non, je me suis trompée, je voulais pas aller sur la galerie. Pff, oh, c'est bio. C'est bio cette nouvelle galerie. Je voulais pas aller sur la galerie, je voulais aller là. Un bon chiffre, ouais. On est bien là. Allez, on voit la naissance des triplés. Et après, on arrête le challenge. Bah écoutez, c'était pas mal comme petit challenge. Ça nous a duré 3 lives. C'était sympathique. On s'est bien amusé. J'ai bien galéré. J'ai bien ramé. Mais bon. Voilà, je pense que voilà, je vais mettre le replay sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu être là ce matin et qui avaient suivi les 2 premiers lives.
Et puis voilà. Je suis le seul à avoir une fenêtre d'alerte canicule en plein milieu de l'écran. Oui. Quelle idée. Non, je suis pas en canicule, moi, en plus, en vrai. Je crois pas. Je sais plus. Merci, la garce. C'est horrible. J'assume pas du tout. Désolée. Hein. Bon, tu le ponds là, ton gosse ou Allez. Ah, oh, merci Alexandre. C'est gentil. Merci beaucoup. Allez. Ah, le travail a commencé. Youhou! Allez avoir un bébé. Prendre une petite photo. Même si l'éclairage n'est pas terrible. Alors attendez, parce que vu que les captures d'écran sont dégueulasses, il faut faire comme ça. Voilà. Plus bouger, plus bouger. Et il faut faire Windows impression écran. Voilà, normalement, ça a marché. On va refaire un petit coup. Voilà. Vu que les captures d'écran grâce à la mise à jour sont absolument dégueulasses. Si ça te perturbe, m'appelle-moi Charlotte. Mais c'est pour toi surtout. Tu vois, j'ai l'impression de t'insulter chaque fois que je te dis merci ou... C'est une fille! Eh ben, allez, pour la peine, on va l'appeler comme toi. Et il n'y en a qu'une! Youhou! Eh ben voilà, le challenge se termine donc comme ça. Eh ben voilà, c'est la fin du challenge. J'espère que ça vous a plu. Donc, on a commencé avec 0 simflouz et un terrain vide. On finit avec pratiquement 7000 simflouz et une jolie petite maison, ma foi, qui suffit largement et tout ce qu'il faut, un toit sur la tête. Je trouve qu'on s'en est plutôt très bien sorti malgré quelques revers de fortune en début de challenge. Donc, merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce challenge et ce live. Je pense que je vais remettre ça ce week-end, hein. Donc très certainement, je pense que samedi, je ferai un petit live dans Starve la journée et puis je reprendrai les Sims le samedi soir. Je ne sais pas encore sur quoi du coup, puisqu'on vient de finir le challenge, il faut que je me creuse la tête pour trouver une autre idée. Et je vous rappelle aussi que mon Lunar Zodiac Challenge, que je fais exclusivement sur YouTube, est toujours disponible et voilà, si vous avez envie d'écrire un nouveau challenge mais pas en live celui-là, n'hésitez pas à faire un tour. Vous avez les liens de tous mes réseaux sociaux et de tous les endroits où vous pouvez me retrouver sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, merci à tous, c'était vraiment très sympa. Merci à tous pour tous vos follows, pour les bits et je vous dis à très très vite. Gros bisous à tous.